à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons pratiquer deux salutations à la lune. Ce sont des salutations que j'avais envie de faire parce que je trouvais que c'était bien pour le soir et que ça change un peu des salutations au soleil. Donc ça va être, on va en faire deux, une un peu décortiquée sur plusieurs respirations et la deuxième, on la fera tout en fluidité sur une respiration et vous verrez que ça fait un peu comme la lune, on a des postures un peu au sol, ensuite on remonte et voilà, c'est vraiment très, très fluide et très agréable. Donc à pratiquer le soir ou même le matin si on a envie de se poser, de démarrer en douceur. Voilà, donc pour commencer, je vous invite, on va venir dans la posture de la montagne. Donc les pieds à la largeur des hanches, soit paume de main vers l'avant, les doigts vers le sol, épaules basses. Et on prend le temps aussi, quelques instants, pour se poser. Fermez les yeux. Prenez conscience des pieds en contact avec le sol. Sentez votre colonne vertébrale s'allonger vers le ciel. Sentez les omoplates couler vers le sol et le sommet du crâne étiré vers le ciel. Imaginez que vous êtes un trait d'union entre la terre et le ciel. Prenez une profonde inspiration par le nez et expire. À l'avant de notre tapis, les pieds à la largeur des hanches. Inspire, bras vers le ciel, j'attrape le poignet gauche avec ma main droite, j'étire vers le ciel, je me grandis, épaules basses. Expire, je pousse les hanches à gauche. Inspire, je reviens au centre, j'attrape le poignet droit avec ma main gauche, je m'étire vers le ciel et je pousse les hanches à droite. Et je reviens au centre. Je fais un pas vers l'arrière avec ma jambe gauche. J'ouvre les bras parallèles au sol, paume de main vers le ciel, les orteils vers l'extérieur. Profonde inspiration. Expire, posture de la déesse, mes genoux vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Super, et je respire. Inspire, je reviens dans la posture de l'étoile. Expire, je pivote vers ma jambe droite, je garde les hanches ouvertes, pied gauche à 45 degrés. Bras parallèles au sol, paume de main vers le sol. Inspire, quelqu'un me tire vers l'avant. Et là, je viens déposer le bras droit sur le tibia droit et le bras gauche vers le ciel. Et je regarde vers ma main gauche si c'est accessible pour moi au niveau de ma nuque. Et je respire. Et là, je sens comme si un mur était derrière mon dos, comme si je voulais plaquer le mur à l'arrière de mon dos. J'ouvre les hanches. Inspire, je me grandis vers le ciel. Expire, je tourne la tête vers ma jambe droite. Je ferme les hanches, je fais un petit saut et je viens placer les pieds de part et d'autre d'une ligne. Je viens déposer les mains sur les hanches. Inspire et expire. Je descends vers ma jambe droite. Je peux placer les mains de part et d'autre de mon pied droit et je place le front. Je viens dans la posture de la pyramide. Je tends la jambe droite. Je recule ici, je recule la jambe droite et je viens déposer le genou droit au sol et le dos du pied droit au sol. J'ai le genou droit au-delà de ma cheville droite. Je joins les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire, je suis les pouces du regard, je contracte le fessier droit. Expire, je redépose les mains au sol. Et là, je viens tendre la jambe gauche, je roule sur le talon gauche et je viens déposer la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Je peux lever le talon droit également. Et je me redresse. Et là, je pivote vers la gauche. Je tends la jambe droite. Je viens sur le talon droit. Inspire. Et là, je pivote vers la jambe gauche. Genou gauche au-delà de la cheville gauche. Et je dépose le genou droit au sol. Et le dos du pied droit au sol. Je joins les paumes de main l'une contre l'autre. Je contracte la fesse droite. Inspire, je suis le pouce du regard. Expire, je redépose les mains au sol. J'entre les orteils droits dans le tapis. Je fais un petit saut. À nouveau, je viens dans la posture de la pyramide. J'oublie pas de respirer. Je recule un peu plus la jambe droite. Je
Je place le pied droit à 45 degrés, je tends la jambe gauche, je redresse le buste, je place la main gauche sur le tibia gauche. Et là, j'ouvre ici, j'ouvre mes hanches et bras droit vers le ciel et je regarde vers le ciel. Et à nouveau, je sens ce mur à l'arrière de mon dos, comme si je voulais plaquer le mur à l'arrière de mon dos. Et j'ouvre la hanche ici. Inspire vers le ciel. Expire, je pivote vers la tête, vers la jambe gauche. Inspire, je redresse le buste, je contracte les abdominaux. J'ouvre les orteils sur le côté, paume de main vers le ciel, profonde inspiration. Expire, je redescends dans l'étoile, dans la déesse. Inspire, je me redresse. Expire, je pivote vers la jambe droite et je reviens samastiti. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Je vais me mettre de l'autre côté du tapis pour ne pas tourner le dos. Inspire, bras vers le ciel, j'attrape le poignet droit avec ma main gauche, je me grandis, épaule basse, je pousse les hanches à droite. Inspire, je reviens au centre, j'attrape le poignet gauche et je pousse les hanches à gauche. Et je reviens au centre, c'est ainsi, je fais un pas vers l'arrière avec ma jambe droite, j'ouvre les orteils sur le côté, paume de main vers le ciel, étoile, profonde inspiration. Expire, je descends dans la déesse. Inspire, je me redresse. Et là, je pivote vers ma jambe gauche, pied droit à 45 degrés, jambe gauche vers l'avant, bras parallèles au sol, j'ouvre les hanches, inspire, buste vers l'avant, et je dépose le bras gauche sur le tibia gauche, bras droit vers le ciel. Inspire, je me grandis, expire, je pivote la tête vers ma jambe gauche, je ferme mes hanches. Je place les pieds de part et d'autre du demi, inspire, et expire, main de part et d'autre de mon pied gauche, et je peux fléchir la jambe gauche. Inspire, là je recule la jambe droite vers l'arrière, je dépose le genou droit au sol, le dos du pied droit au sol, genou gauche au-delà du pied gauche, je joins les paumes de main l'une contre l'autre, inspire, je suis dépose du regard, je contracte la fesse droite, expire, je redépose les mains au sol, et ici je viens allonger la jambe droite, rouler sur le talon droit, et je place les mains au centre et je me grandis, je peux lever le talon gauche, inspire. Et là, je pivote à droite, je tends la jambe gauche et je me grandis. Inspire. Et expire, je pivote vers ma jambe droite, genou droit au-delà de la cheville droite et je dépose le genou gauche et le dos du pied gauche au sol. Je joins les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire, je suis l'épouse du regard, je contracte le fessier gauche. Expire, je redépose les mains de part et d'autre de mon pied droit. Je fais un petit saut et je viens dans la pyramide. Je replie le pied gauche à 45 degrés, je tends la jambe droite, je viens placer le bras droit sur le tibia droit. Inspire, bras gauche vers le ciel. Inspire, je me grandis, expire, je tourne la tête vers ma jambe droite. Je contracte les abdominaux, je redresse le buste. Inspire, je mets les orteils sur le côté, je reviens dans ma déesse. Expire. C'était l'étoile, mais c'est la déesse. Inspire, je reviens. Et expire, je reviens à l'avant. De mon tapis et je reviens en samastiti. On va refaire une troisième fois, on y va. Inspire, j'ouvre les bras sur le côté, j'attrape le poignet gauche, je pousse les hanches à gauche et je reviens au centre. J'attrape le poignet droit, je pousse les hanches à droite et je reviens au centre. Je fais un pas à l'arrière avec le pied gauche, j'ouvre les bras en posture de l'étoile. Et expire, posture de la déesse. Inspire, je reviens dans la posture de l'étoile. Je pivote vers ma jambe droite. Paume de main vers le sol, j'ouvre les hanches. Inspire, expire, je viens dans la posture Uttita Trikonasana du triangle. Inspire, je me grandis vers le ciel. Expire, je pivote ma tête vers la jambe droite. Je ferme mes hanches, je fais un petit saut, main de part et d'autre de mon pied droit. Et je viens dans la posture de la pyramide. Je recule la jambe gauche, genou gauche au-delà, genou droit au-delà de la cheville droite, genou gauche, dos du pied gauche au sol. Je joins les paumes de main l'une contre l'autre, je contracte la fesse gauche, inspire. Et expire, je redépose les mains au sol. Je pivote sur mon pied droit, je tends la jambe gauche sur le talon gauche, main au sol. Et expire, je pivote à gauche, je tends la jambe droite. Et là, je pivote vers ma jambe gauche, genou gauche au-delà de la cheville gauche. Je dépose le genou droit, dos du pied droit au sol. Je contracte la fesse droite. Je suis l'épouse du regard. Inspire. Expire. Je repose les mains au sol. J'ancre les orteils droits. Je fais un petit saut. Et je viens dans la posture de la pyramide.
Je tends la jambe droite, pied droit 45 degrés. Je tends la jambe gauche, main gauche sur tibia gauche. Et j'ouvre ici, je viens dans la posture du triangle. Bras droit vers le ciel. Inspire, je m'étire vers le ciel. Expire, je tourne la tête vers ma jambe gauche. Je contracte les abdominaux. Inspire, j'ouvre les orteils sur le côté. Posture de l'étoile. Expire, posture de la déesse. Inspire, je reviens à nouveau dans l'étoile. Et expire, je pivote vers la jambe droite. Et je reviens. Ça va titiller. Et on va le refaire une dernière fois. Inspire, bras vers le ciel. J'attrape le poignet droit. Je pousse les hanches à droite. Je reviens au centre. J'attrape le poignet gauche. Je pousse les hanches à gauche. Et je reviens au centre. Cette fois-ci, je fais un pas vers l'arrière avec ma jambe droite. J'ouvre les orteils sur le côté. Posture de l'étoile. Expire, posture de la déesse. À nouveau, je reviens dans la posture de l'étoile. Cette fois-ci, je pivote vers ma jambe gauche, pied droit 45 degrés. Inspire, et là, je viens dans la posture du triangle, bras droit vers le ciel, je m'étire vers le ciel. Et là, je pivote la tête vers ma jambe gauche, je ferme mes hanches, je place mes pieds de part et d'autre d'une ligne, et je viens dans la pyramide. Je recule la jambe droite vers l'arrière, je dépose le genou droit. Et la genou gauche est au-delà de ma cheville droite. Je dépose le dos du pied droit également. Et là, je joins les paumes de main l'une contre l'autre. Je contracte la fesse droite. Et je redépose les mains au sol. Je tends la jambe droite. Et les mains en contact avec la terre. Je passe à droite. Je tends la jambe gauche. Je pivote vers ma jambe droite. Genou droit au-delà de la cheville droite. Je dépose le genou gauche, dos du pied gauche. Je joins les paumes de main l'une contre l'autre. Et je dépose les mains au sol. J'entre les orteils droits dans le tapis. Je fais un petit saut, je viens dans la pyramide. Je recule la jambe gauche, pied gauche 45 degrés. Je tends la jambe droite. Et j'ouvre mes hanches ici, je me grandis. Et je tourne la tête vers ma jambe droite. Je contracte les abdominaux. Je redresse le buste. J'ouvre les orteils sur le côté. Je reviens dans l'étoile. Et je redescends dans la posture de la déesse. Inspire, je reviens dans la posture de l'étoile. Et expire. Samasthiti. Et on va passer au sol. On ouvre les orteils sur le côté. On joint les paumes de main l'une contre l'autre. Épaule basse. Inspire. Et expire. Je descends. Je descends. Je descends. Et je viens déposer les fesses au sol. On va venir s'allonger sur le dos. On passe sur les avant-bras. Et on déroule la colonne vertébrale. Au sol, on ramène les genoux sur les cuisses, on attrape les cuisses sur le ventre, pas les genoux sur les cuisses. Et on vient faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. On ouvre les bras en croix sur le côté et on laisse tomber les genoux à droite et on tourne la tête à gauche. Inspire, je ramène les genoux au centre, je replace le bassin et là je laisse tomber les genoux de l'autre côté et je tourne la tête du côté opposé de mes genoux, les deux épaules sont au sol, je relâche tout mon corps. Je ramène les genoux au centre et j'allonge les jambes. À la largeur de mon tapis, je laisse les orteils tomber naturellement sur le côté. J'ouvre les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Je rapproche le menton de la poitrine, je casse pas ma nuque. Et ici, je prends une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Profonde inspiration par le nez. Et là, je vais expirer tout doucement comme si j'expirais dans une paille. Je vide complètement mes poumons. Encore, j'inspire. Et j'expire dans une paille. Et je laisse mon corps se déposer dans la terre. Je laisse mon corps fondre dans le sol. Je relâche mes orteils. Mes mollets, mes cuisses,
mes hanches. Je relâche le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Relâche le bras droit, main droite, bras gauche, main gauche. Je relâche mes épaules, mon cou. Je relâche les traits du visage, ma mâchoire, mes joues. Mes yeux. Je laisse couler les sourcils vers le sol, je les laisse fondre de part et d'autre de mon visage. Je laisse mon front se lisser. Et je relâche le poing entre les sourcils. Je relâche mon crâne. Relâche tout mon corps, tout mon corps, tout mon corps. Plus rien à faire. Nulle part où aller. Vous souhaitez continuer cette douce relaxation, ce douce shavasana. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et continuer à vous détendre autant de temps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse et douce soirée si c'est le soir, le matin, une merveilleuse journée, peu importe. Et souriez, souriez dans le cœur, partout. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt.